Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Tous azimuts pour accompagner le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'agression de la République de moitié du Congo par l'un de ses pays voisins, le Rwanda. Par cette force négative qui n'est rien d'autre que le M23, le mouvement terroriste qui agresse la RDC pendant des décennies. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, que nous allons vous présenter ce nouveau numéro d'actualité en direct ici du Sénat de la République de moitié du Congo. Pour ce faire, une communication si très importante qui va se faire dans quelques instants même, et vous allez comprendre, par le bureau de la Chambre haute du Parlement avec les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation, après la communication de la Chambre basse et le membre du gouvernement. Et c'est le tour maintenant du bureau de la Chambre haute du Parlement qui va passer une communication en rapport avec la situation sécuritaire et aux instances internationales, notamment les Nations Unies. Suivez. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23, nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivant au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais à venir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. À l'honorable président Mbosso Kodiakwanga, président de la Chambre basse du Parlement, nous, peuple congolais, toutes tendances confondues, venons déposer ces mémoires. L'air est grave. Nous soutenons la bravoure des nous voyants fardessés qui combattent les forces négatives dans les parties est de la République démocratique du Congo. Notre souhait le plus ardent est que, dans un futur proche, les FARDC et les forces interrégionales puissent radiquer les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les autres. Mais chose étonnante, nous apprenons que les armes achetées par le gouvernement en Turquie pour mettre hors état de nuire, notamment les M23 appuyés par les Rwanda et les autres mouvements rebelles, sont bloqués en France. Un acte que nous condamnons avec la dernière énergie. Car, pas plus tard que la semaine écoulée,
une frange de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été reçus par les deux présidents des deux chambres du Parlement. Ils ont laissé attendre que le gouvernement congolais n'est pas sous embargo pour l'achat des armes, plutôt les mouvements des groupes rebelles. Grande est notre indignation. Si ce complot à dimension internationale, et nous demandons que ces manœuvres cessent à l'immédiat. Très bien. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comme nous l'avons dit si haut, l'air est grave. Les ennemis de notre pays ne se cachent plus et démontrent leur ambition machiavélique à ce que la guerre qui a duré une décennie s'éternise et que les fils du pays continuent à perdre leur vie pour une raison ignoble, c'est-à-dire habiter dans une zone où les sols et sous-sols sont extrêmement riches en minerais que les pays voisins exploitent par la force. Nous bouclons ces moments, Monsieur le Président, en vous exhortant à transmettant les cris de la population congolaise. Toute institution et institution internationale, demandons ce qui suit. 1. Une mobilisation tout azimut derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soutenir nos voyants fardessés. 2. La libération sans condition à l'immédiat des armes achetées par les gouvernements bloqués en France pour permettre les fardessés et alliés d'éradiquer les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. 3. Que la MONUSCO puisse quitter sans condition les territoires de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive nos voyants forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. En tout cas, to sepeli ndenge botamboli po abobondela mboka na biso pe po abolaksa na mukili mubimba ba kongole ezala butu ezala moy babondisa biso bayina biso kongole akozala kaka debout déterminé sima ya mukunzi yambo yamboka soki to simbi président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso nyonso bana Congo na tango yo mbuka eza na passe. Biso nyonso sima na ye na Nzambe akosimba biso. Très bien. Pe bitumba yango tokonunga. Amen. Tokani. Oui. Bako combattre biso. Mais jamais va vaincre biso. Bana Congo il faut toeba. Mbuka Congo za munene. Mbuka Congo etondi na ba richesse na bato amiti mama alam. Na bato amiti mama be miso na bango na kati yako ya Congo. Mais biso bana Congo to fongola mi biso na mikolo ya lelo. Na tango yo mbuka na biso ezali na bitumba. Rwanda za ko attaquer biso na voisin mususu wana kusaka biso azali ko kusa biso oui mais baza ko tinda mwana na bango asala ka makambo ya mabe contre biso to fungula miso to zala sima ya mukunzi yambo ya mboka na kati na biso bo okaniza ezala swana swana ezate na tango ya bitumba majorité ezala kate opposition ezala kate mais mutazala kaka pe peuple to we na mbuka na biso bankoko batikela ke biso biso pe to kotisa kimia to bienga na banguna
pour tout le monde, on a beaucoup de bino bajé, bajé. Tokani. Nous venons déposer un mémo. We are members of parliament here. Do you have the letter? I'm glad to take it. The public house is not here. Bonjour, responsable de membre du conseil de sécurité. Des affaires politiques. Vous arrivez là-bas et vous dites qu'ils ont fermé. Hein. C'est la France. Nous sommes les contenus de ces mémoires renseignent tout pour nous peser de son poids pour obtenir la condamnation. Puis Poutine. Random des honorables députés nationaux adressés au secrétaire général de l'ONU et à tous les pays membres des Nations Unies concernant l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous, honorables députés nationaux, en notre qualité d'élus légitimes du peuple congolais et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo, considérant l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé
par des puissances occidentales bien connues, déterminées et rangées comme un seul homme derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflaient sous l'étiquette terroriste M23. Révoltés et mobilisés tous contre les agresseurs de notre pays, responsables des atrocités sanguinaires contre le peuple congolais innocent, considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, caractérisées par des tueries, des déplacements massifs de populations, des viols de femmes et de filles, des pillages de biens et de nos ressources naturelles. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. 1. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. 2. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. 3. La condamnation ferme du Rwanda. 4. Le vote de sanctions ciblées contre Kagame, président du Rwanda, et ses généraux. 5. L'exclusion de toute possibilité de mixage, de brassage et d'intégration des éléments des groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. Rappelons à tous que la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, reste une et indivisible. Son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Que vive la République démocratique du Congo à jamais unie. Nous vous remercions. Le Rwanda à Kagame, le Congo au Congolais. Et si fait à Kinshasa. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre la communication du Sénat sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que l'agression des pays de Lumumba par l'un de ses pays voisins, le Rwanda. C'était la communication du bureau de la Chambre haute du Parlement à travers ses sénateurs membres de l'Union sacrée pour la nation, tous azimut juste pour la sortie de la République du Congo aux instances internationales, notamment les Nations Unies et la communauté internationale pour mettre fin à cette crise. Mais également quelque chose d'important pendant ou lors de cette communication qui n'est rien d'autre que parmi le message phare, chercher à introduire les systèmes d'enseignement à travers système anglophone dans tous nos systèmes éducatifs en République du Congo. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre pour ces nouveaux numéros. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.